Alors aujourd'hui, petit vlog découverte de friperie. On peut pas dire que c'est vraiment une friperie quand même. C'est plus une association, enfin c'est clairement une association en fait, qui s'appelle Bric-à-Brac, qui est tenue par des bénévoles du coup, vu que c'est une association, pour venir en aide aux personnes isolées, c'est-à-dire des personnes sans abri, des familles en difficulté, des personnes victimes de violences, des personnes isolées en souffrance psychiatrique, des jeunes en errance, des personnes au chômage, enfin voilà, ça englobe en gros plein de personnes isolées et ils vendent plein d'objets de seconde main. Il y a des vêtements, il y a des objets, il y a des bijoux, il y a des meubles, c'est vraiment comme Emmaüs en fait. Et donc à Lyon, je crois qu'il y en a 5. Je vais essayer de tous les mettre dans la vidéo, mais le problème c'est qu'il y a des bric-à-brac qui sont ouverts seulement les jours où j'ai cours, donc je vais pas pouvoir y aller, ce qui est dommage. Conseil du jour pour aller en friperie, toujours prendre un sac que t'as pas à porter avec tes mains. Dans mon sac se trouve un sac en plastique, parce que à Bric-à-Brac ils utilisent que des sacs en plastique, genre ils ont un système, en fait ils mettent les affaires que t'as achetées dans un sac en plastique qui ferme. En gros c'est pour être sûr que tu leur voles pas des trucs et tout ça. Donc moi je ramène toujours les sacs en plastique au lieu d'en reprendre chez eux à chaque fois. Donc ça, porte-monnaie, et c'est tout ce que t'as besoin. Ah oui, et j'ai oublié de dire que Bric-à-Brac c'était une association qui fonctionnait sur le dépôt-vente, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent leur apporter des objets qu'ils veulent plus et Bric-à-Brac les vend. Lyon ensoleillé. Grave. Trop beau le soleil. Coucou. Salut. On est à Bric-à-Brac, il y a 45 minutes de queue. Monte la queue. Attends, voilà, j'ai cassé le truc. Ça vous donne combien de temps? 10 minutes? Oh, il y a tellement de queue. On est si près du but. On est les premiers. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not. Trop marrant. J'ai envie de le prendre et de le reprendre en rose. Non, mais il y en a plein. Mais ça, c'est la mode, ces trucs. J'aime pas que ça existait. La mode à Bric-à-Brac. Ouais, il est trop mignon. Oui. Petit coquillage. Oui. Hop. Je suis là. Premier œuf. Premier achat. Ouais. Il est trop beau. Tu veux que je te l'offre? Non. C'est pour mon enfant. Chanter et buver. Putain, je suis déçue que tu sois venue. Oh, petite teuf. Oh, mais oui. T'es 20 ans. Trompe de cake. C'est stylé, non? Des gouttes chaudes. Trop mignon. Waouh. Des Air Force. Des superstars. Des clichés. Ça, c'est pour Julie. Ouais. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Kylian. Ça, c'est pour Césarine. Et ça, c'est pour Lily. Vivienne Westwood. Ah ouais. C'est trop mignon en vrai. Tu veux pas l'essayer pour voir s'il va? Non, il va pas. Il est trop mignon. Ah, t'as dit quoi, madame? Elle m'a dit que ça m'irait bien. Elle dit ouais bah j'arrive à 15h, vous m'attendez, il est 15h30, elle est toujours pas là. J'enregistre tout, je vais tout lui dire. Lily, sale conne. Voilà, ce sera dans la vidéo. Drama demain. Je suis fatiguée. Et Lily qui arrive au dernier moment. Elles ne portent pas leur masque dans les transports en commun. Regardez-les. Alors Césarine, montre-nous ce que tu as acheté. Ah mais il est trop beau. T'as vu? J'ai acheté un petit... Oh sérieux, il te va méga bien. T'as vu? Une petite tasse. Un petit assortiment. Casse-toi toi. On va pas aller acheter le plus utile. C'est ça des shots? Mais meuf, hein, ils sont trop... Ils sont méga beaux. Mais je lui ai dit hein. La meuf elle achète des shots qui sont genre comme ça. Non, c'est ça les shots au bar. Non. Tout dépend de bah oui. Si tu veux boire. T'as jamais un shot ça fait cette taille. Non. Bah ça fait cette taille.
Bah alors, ça, c'est pas des shots ça. Toi, t'as acheté quoi? Ça fait ça là. C'est des shots de base. Donc, un pantalon. Mais qui vous trouvez qui me va bien? Non, je sais pas vous. Ouais, il est beau hein. Ça lui va bien le beige hein. Si vous me trouvez qui me va bien. Arrête! Regarde, regarde! La moitié de mes épaules. Monte sur mes épaules, je me lève. Tu l'as acheté 5 euros. Tu l'as acheté 5 euros? 5 euros. 5 euros? Monte derrière. Franchement, il est trop beau, hein. Alors, moi, j'ai acheté ce petit pendentif pour 2 euros. J'ai acheté cette petite pince. Par contre, je l'aime pas. Yeah. Mais attends, j'ai pas eu le temps de filmer. Bah, je suis une césarine, alors. Tu l'as la vitre. Oh, j'adore. Très fashion. Très Christina Cordula. C'est même, la même taille que ce que j'avais. C'est un shot, ça. C'est grand, genre. Bah ouais, mais... C'est des grands shots d'alcoolique. Oui. Deuxième bric-à-brac de la Croix-Rousse. Très fashion, très vêtements. On va l'acheter elle. C'est ça. Ça. Putain, je veux que ma bague de mariage ça soit ça. Si mon mari me demande en mariage avec une bague oui. De bric-à-brac. C'est trop bien. Je suis en mode toi, tu connais mes boulots, t'es le boss. Hop. 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 Les émeraudes. Conseil du jour. Toujours regarder le rayon en fond. C'est très important. Comment ça se fait que c'est du 16 ans ça? Bah si. Hein. En vrai 16 ans ça passe ouais. Bah 16 ans c'est du XS même plus, hein. C'est du S. Non mais ça veut dire on rentre dans du 16 ans là. Oui. Juste peut-être les manches. J'ai la même taille qu'à 14 ans moi personnellement. Paire de Santiago, aïe aïe aïe, 6 euros. 19, j'en sais rien. Non, 6 euros. En gros, ils mettent un petit trait pour savoir si c'est 9 ou si c'est 6. 6 euros. Les gérantes, les queens du bric-à-brac. Couteau à steak. Alors, j'ai rien acheté au bric-à-brac de Houlin, mais j'ai acheté quelques petites pépites au bric-à-brac de Croix-Rousse, dont ces bagues. Attends, là, elles sont bien. Tu fais le bruit du... des paparazzi, là. Attention, parce que la chose suivante est très swag. Une cravate Bugs Bunny, c'est ça? Ouais. Ouais. Je crois. Une petite cravate Bugs Bunny. Et attention, des petites lunettes roses. Assorti à l'arbre. Ah ouais, j'avoue.